j'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Pour moi, c'était plus que du bonheur. On est tous réunis pour prendre le quart. L'objectif, c'est d'aller enflammer le virage Pinot dans le col du Petit Vallon pour la dernière étape sur le Tour de France de la carrière de Thibaut. Sois grave, demain, Thibaut. Sois très grave, Thibaut. On est là aussi pour rendre un hommage à Monsieur Pinot. Ça peut être historique. Ouais. Le casting est prometteur et de qualité. Celui qui ne sait pas se déguiser, il n'a pas sa place dans les Vosges au col du Petit Vallon. Il a fait de la moto. Et tout amener à l'auberge au fond là-bas, tout ce qui est carton de t-shirt, pancarte, etc. Et on fera la distribution pour ceux qui n'en ont pas eu à l'auberge. On est prêt, déjà regarde la vue, on est bien, on va le faire pour Thibaut, on est là pour Thibaut. On peut se faire un cortège là. Cortège, ah ouais. On va sur le col. Allez, une heure et demie de marche. Et alors? Et alors? Il nous a fait vibrer. Il nous a fait vibrer. Sur les plus beaux sommets. Sur les plus beaux sommets. Souvent il a gagné. Souvent il a gagné. Comme dans le Tourmalet. Il nous parle que de ça, vous pouvez être fiers de vous les gars, applaudissez-vous, c'est génial. C'est trop bien le Tour de France en fait en tant que spectateur, faut pas le faire en tant que coureur, c'est nul. On va foutre le feu au Tour de France tous ensemble. Faire un dernier virage, on s'est dit tiens ça allait rendre heureux les gens, ça allait faire un dernier beau rendez-vous. Pas de mots. T'as vu le monde? Ils sont plus que 4 devant, ils ont 1 minute 20 d'avance, et dans les 4, il y a Thibaut. On a vécu des moments incroyables ensemble et puis c'est des moments comme ça aussi qu'on forgeait notre amitié. Il aime pas trop montrer ses sentiments tout ça, mais je pense qu'il va être bien ému à la fin de cette étape. Ouais. C'est beau qu'ils aient réussi à faire tout ça. C'est un des plus beaux moments de sa carrière là, je pense que c'est un des plus beaux moments. Ouais. Merci.
Merci Marc. Préparez-vous, il arrive. Allez, et nous, on se tait. Seconde d'avance sur Pidcock et Barguil. Le peloton maillot jaune est 1 minute 20. J'étais vraiment motivé, ça faisait quelques jours que j'avais que ça en tête. Je suis à la maison. C'est fou d'être ici alors que c'est mes routes d'entraînement. C'est ici que j'ai toujours. C'est un triomphe romain. Bravo Thibaut Pinot! C'est un grand, grand moment de sport que l'on vit là. Là, tu sens plus nos pédales dans ces moments-là. C'est indescriptible, je pense que personne ne peut vivre ce que j'ai vécu aussi. Et un grand merci aussi également à Paris en sport. Sans eux, je pense qu'il n'y aura pas eu tout ça. J'espère que les gens au bord de la route dans ce virage-là, je pense qu'ils ont ressenti les mêmes choses que moi. Donc ouais, c'était vraiment la plus belle façon de les remercier, c'était ça. Et ils me l'ont bien rendu pendant toutes ces années. J'ai juste envie de leur dire merci. Même si ma carrière est terminée, on se recroisera. Et j'espère que le virage Pinot continuera des prochaines années et que je serai au mieux de tout ça aussi. Il y a intérêt. Il y a intérêt, j'espère. Ouais.